Étienne Saint-Forien, Kalala Mbalandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko, Bayimboka, Botena Binobanso. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est juste un flash informatif. Bandeko Nabiso, Bayimboka. Tozali kopesa flash informatif oyo ezali kotala ndeko Kikaya Barnabé Kikaya Bin Karoubi ye azali kosala menace asali menace à l'endroit du régime du président Félix Tshisekedi asala kayango toujours donc ye akoma star, akoma champion, makoma moko, donc il y a menace envers le régime. Donc les lois commis, voyage interdit de Joseph Kabila à Lubumbashi. A commis, on ne joue pas avec le feu. Barnabé Kikaya. On est allé journaliste il y a politico.cd na zali kotanga na écran. Donc voilà, chers compatriotes, trop c'est trop. Donc qui va se brûler? On ne joue pas avec le feu, on risque de se brûler. Donc abaki sindengwana. Donc to moniété, zala qui est important, to bakisa, to pesa flash, bandeko, baye bake, menace ezali po. Yemoko Ayatollah ndenge bakomi kobenga ye donc ami monaka yende président ya Libela lokola président le guide suprême ya Iran Ayatollah donc bah surnommé yende wana donc il y a perdakate il faut azala azala kak donc tokanisi était les lots à 14h 14h30 président a encore prononcé discours moko et qu'a libéré peuple congolais. Tant ezali lisusu ya kozonga simate. Donc, ye kikaya a kobangisa bisote. Bison de to kobangisa. Donc, a koluka place ya kokende. Yende a konaje. Voilà, chers compatriotes, nous allons continuer la lecture. Là, je vous montre, ça vient de politico.cd pour la transparence. Voilà, on continue la lecture. Quelques heures après l'officialisation du report du voyage de Joseph Kabila à destination de Lubumbashi, chef-lieu du Katanga, samedi 5 décembre 2020. Kikaya Bin Karoubi, proche du sénateur à vie, appelle à la prudence. Dans un tweet métaphorique, donc métaphorique, Alobi Jésus Abandai Kolobana, la parabole, l'ex-conseiller diplomatique de Joseph Kabila prévient qu'on ne joue pas avec le feu, on risque de se brûler. Un tweet aux allures d'une missive lancée au Cap pour le changement, CACH, de Félix Tshisekedi. Et en plus de sa chère compatriote, il illustre ça par une petite vidéo. Donc, nous avons cet extrait de vidéo que nous allons vous proposer. Donc, il illustre là un monsieur qui joue avec le feu, ben, il finit par se brûler. Voilà, nous allons vous proposer cet extrait-là. Dans une courte vidéo qui accompagne ces deux courtes phrases de Barnabé Kikaya, on voit un homme faire des cirques avec du feu et finit par se brûler.
Joseph Kabila était attendu à Lubumbashi où sa coalition politique organisait un accueil sans que rien n'ait été dit sur les raisons de ce déplacement qui arrive alors que la coalition au pouvoir établie entre Tshisekedi et Kabila traverse de fortes zones de turbulence. Voilà, on bouge le curseur pour lire la suite. Voilà. Par ailleurs, cet incident arrive alors que le président Félix Tshisekedi devrait s'adresser à la nation dimanche 6 décembre 2020, à l'issue de plusieurs jours du 2 novembre au 25 novembre 2020. Des consultations où il envisage de rompre son alliance avec Kabila. Selon les informations de politico.cd, des proches du président Tshisekedi n'ont pas souhaité que Joseph Kabila se trouve à Lubumbashi. Vous savez que Asalaki ba menace. Donc, ceux qui accueillent côté Wana, ils allaient pour la commande de la rébellion. Donc, selon des proches du président Félix Tshisekedi, ceux-là n'ont pas souhaité que Joseph Kabila se trouve à Lubumbashi, qui est son bastion, avant le discours du chef de l'État, qui devrait faire des annonces fortes. Il y a eu crainte de le voir instiguer contre le chef de l'État depuis Lubumbashi. S'il y a crainte, c'est qu'il y a des raisons, il y a des indices, dont les indices présentés par lui-même quand il écrivait des lettres au président africain que la RDC va reculer de 50 ans si on ne respecte pas l'accord. Donc, il y a eu crainte de voir Kabila instiguer contre le chef de l'État depuis Lubumbashi, explique un proche de Félix Tshisekedi qui a requis l'anonymat. Donc, c'est écrit par le journaliste ou la journaliste Stéphie Mukinzi. Voilà, cher compatriote. Donc, Batoyo Bazali n'a pas ça à Kosala Bitumba. Donc, par-ci, par-là, Batmoko Bazali qui a proféré ma menace. Barnabé Nani. L'autre Barnabé qui est en prison maintenant s'appelait. Oh là là, Barnabé comment? J'ai oublié, chers compatriotes, ça reviendra. Donc, nous ne pouvons pas reculer. Nous, le peuple congolais, nous sommes avec le président Félix Tshisekedi. Nous allons nous soutenir jusqu'au bout pour sortir de cet esclavage. Il faut obimana ba Rwandais batiakibiso. Donc, jamais Tokolinga, continuation ya coalition, voilà, parce que Zali Kotia, peuple congolais, la Boumbu, Bazali pécopier, peuple congolais, chers compatriotes. Voilà, c'était juste un flash sur lequel je me suis dit que moi, ça, je ne peux pas rater, parce que c'est très important quand il y a des menaces. C'est qu'ils sont capables de riposter d'une façon ou d'une autre. Voilà, chers compatriotes, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.